Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un exercice de mathématiques. Mais auparavant, nous allons faire un petit jeu. Alors, comme vous voyez sur cette feuille, sont écrits des nombres. 4, 5, 6 et 7. Et il y a aussi des fleurs en bouchon. Nous allons compter le nombre de bouchons et nous allons relier la fleur au nombre qui correspond. Alors, on commence. Il y a combien de bouchons ici? On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 bouchons. Où est le chiffre 6? Est-ce que c'est le chiffre 6? C'est le chiffre 6? C'est le chiffre 6? Ou bien celui-ci? Très bien, voici le chiffre 6. Donc, à partir du point ici, je vais le relier. Voilà. J'ai relié ma fleur au chiffre 6. Maintenant, je vais compter les bouchons de cette fleur. Un, deux, trois, quatre. Où est le chiffre 4? C'est ça le chiffre 4? Ou bien celui-ci? Ou celui-là? Très bien, voici le chiffre 4. Je vais relier ma fleur au chiffre 4. Bien, maintenant nous allons compter cette fleur, la fleur rose. Très bien, je vais commencer. 1, 2, 3, 4, 5. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Où est le chiffre 5? Est-ce le chiffre 5? Ou bien c'est cela le chiffre 5? Très bien, voici le chiffre 5. Je relie ma fleur au chiffre 5. Maintenant, je vais compter les bouchons de cette fleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Il y a 7 bouchons. Où est le chiffre 7? Très bien. Voici le chiffre 7. Je vais donc relier à partir du point ma fleur au chiffre 7. Tu vois, c'était facile. Très bien. Alors maintenant, nous allons faire notre petit exercice. Nous allons prendre notre livre de mathématiques et l'ouvrir à la page 16. Cette page. Très bien. Alors, tu vois, ici, il y a plusieurs groupes de fleurs. Il y a des marguerites, des violettes, des tulipes et des roses. Et là, au milieu de la page, il y a des nombres. 4, 5, 6 et 7. Bien, je vais te lire la consigne. Je relis au nombre qui convient. Je vais compter combien j'ai de marguerites. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Il y a 6 marguerites. Où est le chiffre 6? Voici le chiffre 6. Je vais relier à partir du point les marguerites au chiffre 6. Très bien. Et les violettes? Il y a combien de violettes? On compte 1, 2, 3, 4. Il y a 4 violettes. Où est le chiffre 4? Voici le chiffre 4. Je vais relier les violettes au chiffre 4. Comme ceci. Maintenant, je vais compter les tulipes. Voici les tulipes. Je vais compter. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Où est le chiffre 7? Est-ce que c'est le chiffre 7? Non. Voici le chiffre 7. Je relis. Combien j'ai de roses? Je compte. 1, 2, 3, 4, 5 roses. Il y a 5 roses. Je vais relier au chiffre 5. Voilà. Tu vois, j'ai terminé mon exercice. Alors, c'était pas difficile. Il suffit juste un peu de concentration et c'est fini. Maintenant qu'on a terminé notre activité, je te dis à bientôt.